Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le sens. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a démarré avec Oswald Timothy, consul général honoraire Roumanie dans le pays. On a regardé qualité coopération Haïti avec Roumanie. Il y a des tout rapports qui existaient depuis combien de temps et qui j'ai un rapport ça a avancé, je ne vous dis pas. Monsieur Timothy, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Et Mabdou, merci et Sergio qui ont invité pour participer à l'émission de mise au point sur TNH. Et c'est un plaisir, moi, capable de débattre sur la relation, évolution de relations et coopération entre Roumanie et Haïti. Depuis qu'il est Haïti, un rapport à Roumanie? Haïti a un rapport avec Roumanie, ça fait plusieurs années. Cependant, le rapport n'est pas vraiment actif. Donc moi-même, vu que moi, je viens de remplir fonction ça en 2011, depuis 2011 jusqu'à nos jours. Donc moi-même, j'ai pensé que je suis capable de dynamiser un rapport qui est entre Roumanie et Haïti. Roumanie est un ambassadeur en Haïti, non? Et Roumanie a gagné un ambassadeur qui est accrédité pour Haïti, qui est basé à Cuba, son ambassadeur non résident. Donc moi-même, je fais d'office non seulement de consul général, mais je fais d'office d'ambassadeur en Haïti, parce que c'est moi qui ai yeux et oreilles Roumanie. Et moi, je travaille conjointement avec l'ambassadeur qui est Cuba, sous plan d'action, en coopération entre deux pays. Mis à part deux ambassadeurs que je travaille directement avec lui, moi, je travaille tout directement avec le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, et même des fois au niveau même de la présidence roumaine, que moi, j'ai l'autre bois pour capable faire avancer les relations rapprochées et liens entre les deux peuples. Est-ce un bon, si l'ambassadeur n'est pas là, ils attendent dit pas grand ambassade ici, non? Bon, et pour le moment, c'est un consulat qui vient ici, côté moi-même, c'est moi qui suis chef de mission, qui est en tête du consulat. C'est consulat général de Roumanie en Haïti. Donc, moi, je fais l'office de consul général honoraire en tant que consulat. Et consulat, ça, il est lié, il partage toute information et le travail de concert avec ambassade de Roumanie qui est à Cuba et conjointement certainement avec l'ambassadeur pour nous capables de développer les rapports entre deux pays. Les grands axes dans la coopération Haïti-Roumanie, c'est qui ça, oui, M. Timothy? Les grands axes, tout d'abord, il y a deux volets. Un premier volet, c'est sous l'aspect de CARICOM, côté que à haut niveau, autorité roumaine. Et l'homme dit à haut niveau, on parlait de ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, son Excellence M. Théodore Meles-Caniu, et président roumain, Ayuté Chita, avec ambassadeur et CARICOM à New York, et avec différents pays, même CARICOM, ils ont pu débattre sur plusieurs points de coopération que Roumanie a disposé pour capable de bail, expertise li à pays qui n'ont CARICOM. Donc, dans le cadre de ça, il y a eu débat sur quatre points que tout le monde était d'accord que Roumanie est capable d'évoluer. Il y en a premier point, c'est la gestion des risques et des désastres. Comme on connaît, tout petit pays qui n'a pas CARICOM et surtout Haïti, yo sous menace de cyclones, ouragans, comme vous le voulez. En plus, le pays, ça a été pensé que c'était important que vous ayez un appui Roumanie, expertise Roumanie pour aider à gérer risques avec désastres qu'il y a confronté et dans le pays. Ça, et deuxième point que vous avez débattu, que vous avez mis d'accord, c'est sûreté et sécurité alimentaire, c'est-à-dire toute chaîne là, qui impliquait certainement l'aspect de l'agriculture et tout appui, expertise que Roumanie disposait pour capable bail dans le domaine ça. Donc, en plus, le pays, ça a été pensé qu'en effet, il était important que l'humanité aide dans l'aspect de assurer sécurité alimentaire et sûreté alimentaire dans les Caraïbes. Et troisième point que y a été débat, y a été mis d'accord, que vous m'avez d'accord pour appuyer li, expertise li, c'est des bourses dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, et Roumanie disposé pour le bail tout pays CARICOM Zayo des bourses pour qu'il fait non seulement études, il fait en Roumanie et des bourses en médecine, pas limité seulement en médecine, mais en tout aspect de la santé. Et puis, il y a des opportunités d'échange, côté que il y a des professeurs roumains qui disposent pour capable de bail expertise, surtout dans le domaine de la recherche médicale.
Donc, vous m'avez disposé pour être capable de faire des formations même à courte durée, mm-hmm. Surtout dans le domaine de la recherche, pour aider les pays sérieux pour être capable de confronter les difficultés qu'ils ont en matière de médecine. Mm-hmm. Et parmi lesquelles, et Antigua et Barbuda, quelques, peut-être ça peut-être fait un an de cela, ou peut-être quelques mois de cela, que vous m'avez eu 20 bourses d'études en médecine. Donc, c'est un aspect qui était très important pour Roumanie, pour le truc que certains pays qui étaient météo d'accord pour être capable de prendre Boussaïo. Quatrième point, c'est formation des jeunes diplomates. Donc, Roumanie pensait que c'était très important pour être capable d'aider un pile diplomate qui n'a pas arrivé blanc, mieux formé, plus capable de mieux gérer les relations, surtout à travers l'Union européenne. Et il y a des formations qui sont spécifiques même à certains pays qui ont même décidé pour être capable de voir des jeunes diplomates prendre formation non seulement en Roumanie, mm-hmm. mais tout, il y a bien moyen d'accès pour prendre formation en ligne. Donc son programme, son sorte de bourse que Roumanie établit pour être capable d'aider plusieurs pays des Caraïbes blancs à développer des aptitudes en matière de diplomatie et que ça facilite pour être capable mieux gérer la diplomatie la caillou et puis défendre l'intérêt par eux. Notamment et à Genève, côté que Nations Unies ont un deuxième siège, mis à part de New York. Donc, étudiants sont capables de mieux former, capables vraiment traiter activité pour défendre pays au niveau national et international, notamment dans l'activité qu'a fait à Genève. Là, ça, c'est aspect ça. Là, on parle de manière générale pour rappeler que nous avec le CARICOM. C'est ça. Pour Haïti, de manière spécifique, qui ça s'est pour Haïti, de manière spécifique, d'après des marches que moi-même ont été faites, et là, comme dans la Roumanie, ça fait tantôt 4 ans, et en 2014-2015, moi été joint assurance de des accords bilatéraux entre deux pays. Et moi-même, vu que, mis à part que moi, c'est consul d'Oumanie, même son consultant au niveau international, on me sert comme agent de développement, donc on comprend un peu l'aspect d'importance en matière de développement au pays. Donc, moi, j'ai proposé à l'autorité roumaine pour être capable de développer des relations bilatéraux sous certains secteurs, comme c'est vraiment important pour le développement et le progrès d'Haïti. Et parce que quand même, tout le monde est haïtien. Tout. Donc, moi, je comprends l'importance de ça. Et il y a un aspect qui était très important, et c'était l'aspect éducation. Hein, parce que quand même, moi, parents évolué dans mon éducation. Hein, maman était directrice d'école, papa était censeur d'école. Et dans le cadre de ça, et moi, j'étais convaincu que Roumanie, pour être capable d'offrir à Haïti, il y a un accord bilatéral sur l'éducation. Qui pas limitatif. Donc, Roumanie très ouvert à toute proposition que Haïti t'a voulu demander pour être capable de joindre appui en matière d'éducation. Et dans le cadre de ça, moi et avec le pays Roumanie, nous avons lancé une université en Haïti dans le local consulat Roumanie en ICIT, qui est dans Bois-Verna, qui est dans 18 impasse Rigaud Bois-Verna. Donc, nous lancé une université qui est le collège universitaire de Roumanie en Haïti, mais l'université de Roumanie, à côté que, qui a servi comme plateforme, que le gouvernement roumain, les mêmes libres alvoui experts liés, des professeurs de Roumanie, et après il y a des échanges qui ont fait entre les deux pays, non seulement pas en Roumanie, mais avec l'autre pays. Tout parce que quand même, c'est une initiative qui est multilatérale. C'est moi-même qui est en tête initiative là, comme président université là. Ambassadeur de Roumanie, il fait partie de membres conseil consultatif universitaire. Mm-hmm. Nous avons un doyen de faculté des sciences humaines dont il y a une université partenaire en Roumanie qui est l'université de l'Ouest de Vassili Goldis à Arad qui fait partie du conseil consultatif là. Donc, un pile roumain expert, ambassadeur et ex-directeur général des relations internationales, ministère de l'éducation nationale en Roumanie fait partie du conseil consultatif universitaire. Côté que, et avec projet ça, nous allons former des cadres haïtiens pour être capables de bâtir, pour aller en Roumanie, pour aller prendre des formations. D'ailleurs, nous avons une délégation qui pourra aller en avril 2019, qui pourra participer à l'école du printemps. École du printemps, il y a plusieurs délégations qui ont participé là-dedans, de la Grèce, de l'Inde, de la Malaisie, de l'Albanie, de l'Algérie, de la Moldavie. Donc, Haïti tout, et étudiants Panouyo, qui déjà dans l'université, ils ont même eu pour aller pour partir en avril 2019, puis ont participé dans l'école de printemps qui a penché largement sous ressources humaines au niveau international et la gestion des talents.
Donc, ça, c'est très important. Et dans le cadre de coopération, ça tout, vu que l'université a des multilatérales, récemment, nous avons eu un ambassadeur à OEA qui fait partenariat OEA techniquement avec l'université noire, côté que les dispensés premier cours en relations internationales dans l'ambassade OEA, même à Pétionville. Qui c'est en première en Haïti, parce que l'ambassadeur a son rôle politique que lié. Mais vu que son doctorat en sciences politiques qu'il a fait à Paris, donc il était remis l'initiative là et il était mis d'accord que OEA fait partenariat avec l'université noire. Tant coup, la BID a fait partenariat avec nous, l'UNESCO, le PNUD, et l'autre entité des Nations Unies qui ont même qui disposait espacieux plus capable d'aider nous épauler avec. Alors c'est seulement sciences politiques, vous dites relations internationales, vous enseignez là-dedans? Non, là-dedans nous commençons avec 5 programmes qui c'est gestion, comptabilité, et sciences informatiques, parce que l'humanité est très avancée dans le monde dans sciences informatiques. Nous gagnons tout marketing et relations publiques, et puis nous gagnons diplomatie et relations internationales. Programme de premier cycle? Programme de premier cycle, ce qui a facilité que après étudiants yo fini avec programme là, nous même objectif là c'est que nous besoin former et que même yo créer propre entreprise par eux. Donc on a cherché encadrement pour yo pour que parce que comme c'est pas seulement gagner un diplôme, c'est utile tout à la société. Donc l'idée c'est former yo pour capable de joindre tout encadrement au niveau national et international à travers toute entité internationale. Yo, parce que quand même, moi j'ai des tentacules à travers le monde. Roumanie tout dispose pour tout appui et en matière d'expertise pour former étudiants à yo. Côté que l'idée c'est que dans la fin et cycle de licence, non seulement yo capable de créer propre business par yo, mais il y a des opportunités tout pour y aller dans toutes différentes universités qui, non seulement en Roumanie, mais à travers le monde, parce que nous développons 15 de partenariats avec l'université à travers le monde, en 10 déjà en Roumanie. Nous avons l'université d'État de Sao Paulo qui offre lui-même tout, qui fait partenariat avec nous, l'université de Szeged en Hongrie, l'université Mykolo Romeo en Lituanie, donc en pile, et surtout aux États-Unis et au Canada, donc en pile université qui fait partie de l'initiative ça, et côté que l'ambassadeur OEA qui est en dispensé ses premiers cours, hier avec lui, avec dans résidence ambassadeur d'Allemagne pour faire de l'Allemagne, côté que les étapes pensées qui prochain et courant que nous allons faire pour étudier en New York dans l'université de Roumanie en Haïti. Donc c'est un bagage extraordinaire que la communauté internationale là est vraiment penché sous l'université ça qui sont premières en Haïti que gagne un diplomate qui est en tête en université en Haïti. Là maintenant après étudier après suivre le programme pour mes cycles là, est-ce que il y a possibilité d'aller plus loin en master, en doctorat? Tout à fait. Li pas bien limité en matière de coopération parce que l'université roumaine yo est disposée puis capable encadrer jeunes ça. Donc il y a une opportunité pour y faire maîtrise en Roumanie, pas seulement en Roumanie mais dans d'autres coins du monde. Par exemple l'université de Szeged en qui ont programme de maîtrise qui a développé notamment dans la francophonie, il y a discuté avec moi que certainement étudiant mieux a une opportunité mieux capable de participer dans ça et qui pourra faciliter tout que et expert qui en Hongrie capable de rentrer en Haïti pour être capable encore faire des recherches scientifiques, développer des rapports, des échanges académiques pour étudiants université par nous. Et ceci est basé sur partenariat que nous gagnons non seulement en Roumanie mais à travers le monde. Donc ça aspect éducation est très important. Donc nous lancer ça ou mani même li appuyé et li servir avec l'université comme plateforme pour que étudiants lio pour que étudiants nous capable bénéficier de l'argent sur mani côté que à présent nous gagnons roumaine qui a pensé le roumain la langue roumaine dans l'université. Justement, Davalmado, est-ce que l'on n'a pas vu nos barrières pour si tu as besoin de la Roumanie, continuer à étudier pour qu'on fasse sans difficulté? C'est ça. L'angle est quand même bien pour apprendre le roumain, le river Roumanie. Donc, déjà, nous déjà pensé roumain avec culture roumaine ici tout. Et mis à part de ça, c'est parce que tout m'a préparé pour mon mission économique parce que j'étais chute avec chambre de commerce de Roumanie à Bucarest. Côté que m'a préparé moi-même avec l'ambassade de Roumanie, Mme Jinchana Sherbou, qui est à Cuba, m'a préparé une mission économique qui sont capables de venir en Haïti, côté que qui a développé des intérêts pour capable créer business en Haïti des entreprises. Mais maintenant, le roumain ça yo ta rentré business ça yo ta rentré en Haïti, c'est certain que si vous avez déjà un minimum de langue, vous capable
faciliter que échange fait plus bien en matière commerciale, parce que quand même c'est exposé à culture roumaine. Donc ça c'est très important. Donc et dans cadre ça tout et nous lancer nous prendre initiative là moi-même avec l'ambassadeur de Roumanie pour nous lancer une diplomatie parlementaire qui va faciliter ça tout. Une diplomatie parlementaire entre parlement roumain avec parlement haïtien. Moi déjà chita avec yon autorité roumaine qui est très importante à très haut niveau, qui c'est un ex-premier ministre de la Roumanie, M. Soren Mihai Cimpianu, il était ex-ministre de l'éducation nationale en Roumanie, il c'est un député dans le Parlement roumain pour le moment, il c'est président AUF, qui c'est Agence universitaire de la francophonie, qui est composé de 800 universités à travers le monde, li c'est recteur université tout donc ils sont collègues moi-même en vis-à-vis homologue. Donc moi chita avec Soren Mihai Cimpianu récemment le Mtal Cuba et nous t'ai participé dans une conférence des universités au niveau international et côté que nous t'ai penché sur aspect de internationalisation enseignement supérieur là. Donc dans cadre ça et Soren Mihai Cimpianu li disposé pour nous capable développer un groupe d'amitié et que pour le bac tout appui li d'ailleurs Soren Mihai Cimpianu fait créer un parti politique en Roumanie avec un ex-premier ministre, M. Victor Ponta, en Roumanie, pour que yo capable participer dans la prochaine élection qu'a faite en Roumanie. Yo. Donc, Soren Mihai, qui vit dans un ami, disposé pour capable travailler, développer un groupe d'amitié avec le Parlement haïtien, que vous avez déjà chité avec parlementaires haïtiens, surtout à très haut niveau, et adresser une correspondance officielle à président Sénat et président Chambasla, ni vice-président Sénat, l'autre jour, je me chité avec. Et vice-président Sénat et Pierre-François Sildor. Hier soir, je suis avec lui dans la fête de l'Allemagne. Je suis avec le député Caleb Deramo, et qui est vice-président de Chambasla, qui est très intéressé pour développer le groupe d'amitié, ça, pour capable dynamiser les relations à tous les niveaux, au niveau commercial, au niveau académique, au niveau culturel, parce que Roumanie fait partie de la francophonie, tout comme Haïti fait partie de la francophonie. Parfait, mais l'autre élément, est-ce que on nous dit pour étudiants qui sont dans l'université, on subvention du gouvernement roumain ou bien c'est étudiants qui payent frais ou quoi? Étudiants ont contribué et nous fait la reprise très très bas et sincèrement inscription c'est 1000 gourdes, c'est pas beaucoup d'argent pour programme ça parce que quand même l'organisme ambassadeur OEA qui a bon dispensé des cours, lui ça n'a pas vraiment compris. C'est vraiment contribution par eux à bail et un pilote expert tout et Mexique décide de dire qu'on s'accueille de participer tout et Venezuela bail à puis l'ambassade de France il a voué expert français, l'ambassade du Canada à travers et développement canadien tout décider pour être capable de dispenser des cours. Donc c'est une multitude d'experts de communauté internationale là, UNESCO, tout le PNUD, il y a des experts yo la BID pour capable former des jeunes. Donc son contribution que nous demandons que étudiants yo bail pour nous capable quand même et couvrir des dépenses de professeurs haïtiens qui a dispensé cours parce que nous avons des professeurs haïtiens qui a évolué sur le terrain, des professeurs qui étaient fait des études à l'extérieur, qui ont une maîtrise qui est à la Paris Sorbonne, un économiste qui travaille pour nous, qui est un économiste en Banque Centrale Haïti, qui a fait étudier en Australie, en qui un peu de monde connaît souterrain, qui fait cours dans l'autre université tout souterrain. Donc là, nous demandons une cotisation de étudiants pour capable aider nous parler à tout ça. Mais expert ou mais c'est Roumanie qui a couvert, qui a venu, en Union Européenne tout à travers le programme de bourse Erasmus Plus qui a facilité la mobilité entre différentes universités partenaires nous, qui a couvert aussi de dépenses. Donc, par exemple, une étudiant qui est en pilote pour participer à la Roumanie en avril 2019, qui a participé dans l'université et de l'Ouest Timișoara, programme et de ressources humaines, ça, qui est très important. Donc, tout ça, c'est appui. Mais ce programme qui va limiter, non? Il n'est pas limité du tout. C'est un programme vraiment, c'est une idée, son objectif pour nous capable vraiment aider à long terme. Donc, pour le moment, nous, basé dans le local consulat, et moi-même, moi, j'ai un plan pour nous capable vraiment mettre un gros campus qui est plus large pour nous capable vraiment accommoder et offrir plus de domaines dans le cadre de ça. Capacité d'accueil, combien je veux dire? Pour le moment, nous avons un immeuble de 3 étages et c'est là consulat. Consulat au 3e étage, université à 2 étages, qui est 14 grandes salles.
de classe. Donc, nous capables de prendre soit café rotation matin ou bien après-midi ou bien soir. Ou capables de prendre peut-être 1000 étudiants, dépendamment de gens qui ont fait coordination avec espace là. Donc, en pilote pays, ils ont décidé de participer avec nous, collaborer avec nous, faire développer coopération avec nous, surtout l'ambassade Mexique, le gouvernement mexicain, l'ambassade Venezuela, comme dit le Chili, l'ambassade du Chili. Donc, en pile ambassade, ils ont eu un projet, une initiative là, donc en pile l'ambassade d'Argentine, et ma première ambassade de France, tout. Donc, tout ça, ils ont décidé pour capable vraiment aider, pour capable encadrer les étudiants. Là, maintenant, c'est le niveau où Mali décide qui ça n'a pas priorité dans la coopération, bien c'est avec le gouvernement haïtien, nous mettons d'accord, on dit voilà, c'est AXA qui n'a pas priorité et c'est sur une avagie, non? Femme dit que c'est moi-même qui t'ai proposé des axes. On a proposé des axes, on était chita avec, on était fait des démarches, on était chita déjà avec différents ministres dans le secteur concerné. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, c'était ministre Nesmi Maniga. Donc, il t'a proposé des thèmes que je pensais que qui étaient importants pour le secteur éducation. On était chita récemment avec le ministre Pierre-Josué Agénor Cadet et avec l'ambassadeur Roumanie à Cuba pour débattre tout aspect de coopération, ça tout. Donc, il était déjà un but et que lui-même tout, nous avons même préparé une possible visite pour que lui-même pour aller en Roumanie tout, certainement dans le cadre de signature d'accord entre le ministre de l'Éducation nationale haïtien et le ministre de l'Éducation nationale de Roumanie. Faire. Donc, ça c'est l'éducation. Dans l'autre secteur, qui c'est agriculture, encore qui c'est une proposition qui est déjà proposée à l'État haïtien, il y a déjà une marche à suivre là, de ce que Roumanie décide en matière bilatérale pour le capable offrir Haïti. C'est ça, oui. Et gasper et vétérinaire et appui agricole, semences, phytosanitaire. Donc, il est vraiment détaillé en proposition que Roumanie offrit à ministère de l'Agriculture. Mais pourquoi signer? Mais pourquoi signer? N'a pas tant de réaction au gouvernement haïtien hein, parce que, quand même, nous étions soumis à un cadre de coopération qui est supposé être signé entre deux pays yo, depuis l'année dernière. Donc, n'a pas tant de réaction. Nous étions même invité et à l'époque ex-ministre Antonio Rodrigue depuis janvier 2018 et ministre des Affaires étrangères roumanien monsieur Théodore Meleskaniou te voye une invitation officielle by homologue le ministre Antonio Rodrigue malheureusement pas de bien temps pour d'aller en Roumanie donc moi-même qu'on y a là moi lancé on l'autre demande by ministre des Affaires étrangères et de Roumanie pour lancer une autre invitation by et ministre actuel là qui c'est son excellence monsieur Edmond Bouchit pour que l'aller en Roumanie pour la signer accord cadre de coopération qui peut faciliter que l'autre coopération yo signé entre les différents secteurs yo, qui c'est éducation, qui c'est agriculture, qui c'est tourisme et d'autres aspects tout. Moi pas éloigné et appui pour environnement parce que l'autre jour je me rencontré avec nouveau ministre environnement monsieur Jude Joseph qui t'a dit pour ça que monsieur le consul moi que vraiment penché sur l'autre aspect moi même d'intéresser tout pas oublier nous dans l'aspect environnement. Moi connais que ça très important parce que moi même quand même tout ça a touché moi parce que moi même moi gagne un terrain bien on terrain côté que bien et plante là dans ni bien sont planteurs tout capable dire ça dans pays côté que maman est originé qui c'est Grande Rivière du Nord donc moi très touché moi très penché à la terre à l'agriculture à l'environnement et travaille tout avec différents groupes internationaux en aspect de l'environnement et notamment et des amis tant que ambassadeur Dr Alison Thompson et Albert Gomez qui fait partie de le groupe dans résilience que notre travail sur nous-mêmes au niveau international pour nous capables d'aider Haïti et résoudre ce problème environnemental. Alors c'est santé, tourisme, agriculture, éducation, c'est dans le secteur ça où Roumanie est intervenu. C'est dans le secteur ça, mais Roumanie pas limité pour être capable d'appuyer dans l'autre secteur. D'ailleurs, et à preuve, Roumanie et récemment nous recevons deux jeunes diplomates et deux ministères des Affaires étrangères d'Haïti qui dans la conformation dans le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Nous sommes fait une semaine, ça gagne au commencement de mois ça. Nous faisons voyer deux formateurs et policiers de la PNH
qui a pris formation dans le cadre de prévention, dans le cadre de cybercriminalité et cybersécurité et cybernétique. Deux formateurs, il y en a des informaticiens. Deux policiers. Ils ont présentement. Depuis qu'il est allé. Il est allé et il a pris formation du 1er octobre jusqu'au 5 octobre. Je dis à 3 et 3 octobre. Donc, il est à présent à la Jamaïque parce que le gouvernement jamaïque a été impliqué là-dedans. Il est à 4 octobre. Je dis à 4 octobre, merci beaucoup pour la correction. Hein. Donc, il est allé dans formation de 1 à 5 octobre pour y aller pour formation en cybercriminalité, cybersécurité, cybernétique, parce que Roumanie est très avancée. Côté que, il y a des policiers roumains, des experts roumains qui ont formé non seulement les policiers haïtiens, mais en plus policiers de pays CARICOM. Et photo officielle, vous êtes capable de voir sur site, sur page Facebook consulat et page Facebook université à tout. Et page Facebook, là, c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Et page Facebook et consulat, c'est en anglais, c'est Consulate General of Romania in Haiti. Donc, sous page, vous êtes capable de garder photo officielle de policiers yo, de CARICOM, qui ont pris formation à la Jamaïque avec appui du gouvernement roumain et expert. De Roumain qui te recevoir cadre haïtien et policier haïtien ont été informé sur WhatsApp qui ont été venu recevoir depuis l'aéroport pour qu'il y ait la formation dans un complexe et qui est établi pour CARICOM côté que c'est Caribbean qui est le Red Track qui est à la Jamaïque. Vous connaissez Jamaïque, c'est le président CARICOM pour le moment. Ça. Donc, Red Track, qui est un complexe, c'est un training facility for police officers de Caraïbes blancs. Et notamment contre l'activité de drug enforcement. Mm-hmm. Donc, c'est là que vous formez un pile policier pour CARICOM. En côté que c'est là que formation que Roumanie a bail à tout pays membre CARICOM, notamment policiers haïtiens, ça y est, calé, calé pour formation. Il y a les officiellement, ils ont présenté le gouvernement haïtien, parce que le ministre de la Justice a été très impliqué, des GPNH et tout ça. Donc, c'est dans le cadre officiel que aller et prendre formation que Roumanie a bail en matière de cybercriminalité, cybersécurité et cybernétique. Mm-hmm. Alors là, vraiment, nous croyons que son coopération depuis l'avenir, coopération et Haïti avec le pays roumanien. Les grands piles à venir, c'est commencement ça, comme je dis, avec diplomatie parlementaire, là, que nous avons une réaction au Parlement haïtien qui veut développer le groupe d'amitié, hein, libre à dynamiser davantage, parce que moi-même, moins disposé, disponible, pour moi, capable de renforcer ça, parce que vu que j'ai des tentacules à travers le monde, notamment en Roumanie, côté que je capable de faciliter que échanger au fait plus rapidement et que plus renforcé de par deux développements que nous avons essayé de faire entre Roumanie et Haïti. Donc, moi, invité en pile jeune surtout qui a intéressé dans matière de éducation surtout parce que quand même et député a c'est directeur université que lié donc il fait partenariat avec nous dans l'université de Roumanie hein, il est capable de venir inscrire parce que nous avons une prochaine session qui a commencé en novembre 2018 dans tout domaine ça il est capable de venir inscrire dans l'université a il est capable de contacter nous tout non seulement sur Facebook qui c'est collège universitaire de Roumanie en Haïti mais il est capable de briller dans 22 09 74 96, encore c'est 22 09 74 96. Vous capable de nous tout ou bien vous message surtout ou SMS ou WhatsApp dans 34 05 07 02, encore c'est 34 05 07 02. Vous capable d'informer ou davantage sous inscription, vous capable d'inscrire dans moment qu'on là même. Mm-hmm. Pour capable participer dans le programme yo, vu que nous pral gagner nous pral voyer des étudiants qui pral en Roumanie notamment en avril 2019 avec yon université importante mais il y a l'autre université tout comme l'université Sao Paulo qui est au Brésil tout qui attend échange de étudiants et puis avec partenariat OEA qui a bien des opportunités pour des étudiants aller en Argentine, au Mexique, au Brésil, il y a bien des opportunités tout plus capable de faire des bourses, tout plus capable de faire des études avancées. Donc c'est tout dans le cadre multilatéral que Roumanie implique dans la région. Hein. C'est pas seulement Haïti. Mm-hmm. Et que pour l'offrir et cadre d'appui ça. Mais c'est mieux comprendre, c'est surtout dans l'éducation, nous atterrir jusqu'à présent. Pour la présent, nous atterrir dans l'éducation et nous très penchés à ça. Et côté que l'ambassadeur et gouvernement roumain même
décidé pour capable de servir avec l'Université de Roumanie hein, comme plateforme. Je parlé avec une directrice Amérique latine qui est responsable pour Roumanie au niveau du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, qui déjà a voyé bah, tout réseau Roumanie à travers le monde, de l'Université ça. Et côté que il y a des experts ou des professeurs ou qui déjà approfient Edio pour venir former des jeunes en Haïti. Mais en fait, nous pas Haïti par exemple seulement pour au prince. Pour que ça seulement c'est pour au prince. Et est-ce que nous pas compter tant les programmes dans la ville province surtout? Tout à fait. Et me rappeler petit chita récemment avec le sénateur du Piché Rubin dans le Parlement pour développer un partenariat avec le Parlement haïtien. Même j'ai développé un partenariat avec PNH et partenariat avec Banque Centrale en Haïti pour former cadre pour eux. Donc, former vous des jeunes et des cadres professionnels aller en Roumanie et vous recevoir des formations en Haïti. Et le sénateur chez Rubin était même proposé pour être capable vraiment ouvrir cadre là à différents départements et à travers le pays. Il y a des monde qui contactent le tour de Hench, en plateau central, pour plateau central. Il y a un grand expert haïtien qui a proposé pour me mettre un campus dans le sud et certainement dans le nord. Donc, moi, ouvert à ça, mais on connaît que ça a demandé une préparation à long terme, parce que quand même, c'est mobilisé, m'a mobilisé en pile ressources au niveau international, surtout que j'ai évolué à Wall Street au niveau des bourses américaines, pour 20 années d'expérience dans les bourses américaines, côté que je travaille pour des grandes firmes comme Wachovia Securities, comme mon analyste. Donc, et avec maîtrise que j'ai hein, que j'ai fait à Liberty University en Virginie. Donc, vu que j'ai tout et accès à ressources à eux, moi prêt à mobiliser tout contact que j'ai au niveau international, mis à part de contact que j'ai en Roumanie, pour me capable de joindre des fonds, pour nous capable de bâtir des campus, des différents annexes à travers le pays, pour nous capable vraiment impliquer, former des jeunes, pour nous capable développer tête, pour nous capable utile non seulement société, mais utile région en tout, et avec le monde, parce que quand même Haïti a un pile bas que le gain pour le porter en matière d'appui. Je suis chuté récemment avec président Caraïbes Développement Banque dans Caraïbes là. Vous avez débattu qui comment capable de travailler ensemble des professeurs. Les faits que ton succursale en Haïti. Avant hier avec lui et Monsieur Stephen Lawrence pour nous débattre comment que capable vraiment élargir cadre de coopération avec appui multilatéraux au niveau international des Nations Unies et tout ça, tout réseau Nations Unies hein, que c'est FMI, que c'est Banque Mondiale, des chita avec FAO tout qui offre des espaces pour capable faire formation. Même okay. BID offre des espaces li et FAO offre des espaces li, BID offre des espaces li, OEA offre des espaces li, OEA déjà formé des jeunes haïtiens et pour nous déjà, ambassadeur après faire l'autre formation pour nous encore. Donc c'est toute communauté internationale là, qui est impliquée dans un projet ça qui est unique en Haïti. C'est la première fois que ça fait. Alors si des jeunes qui ont regardé, qui sont intéressés, et côté au cas nous rapidement pour finir. Rapidement, et ils sont capables de venir dans le consulat, parce que c'est là l'université a été, dans le consulat de Roumanie, hein, qui c'est dans 18 Impasse Rigaud, Guaverna. Impasse Rigaud, il est dans le coin Avenue de la Martinière et Wielbern. Donc c'est là que nous y est. Il y a pour un drapeau Union Européenne sous tête immeuble là, pour un drapeau Roumanie sous tête immeuble là. Donc moi invité yo capable contacter nous rapidement que possible dans 2209 74 96, encore c'est 2209 74 96. Vous pouvez envoyer SMS et WhatsApp pour nous en 34 05 07 02. Vous pouvez visiter nous tout sous page Facebook nous forme que page Facebook là toute autorité roumaine yo sous page Facebook là y a suivre ça qui a passé professeur roumain yo université partenaire yo y a suivre tout ça qui a passé toute activité yo y a pour activité officielle yo, des photos que m'te fait avec ministre et d'éducation nationale Pierre Général Atirocané à Cuba, ambassadeur roumanien, et tout ça, toute activité que nous avons entreprendre pour nous capables d'épauler les étudiants yo, sous page Facebook nous, qui c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti, ou bien sous page consulat qui c'est Consulate General of Romania in Haiti. Et nous avons une page d'oublier tout pour te faire partager. Nous avons un site internet pour l'université qui c'est www.univromania-edu.com. Encore c'est univromania
haïti-edu.com. Parfait. Monsieur le consul, merci en pile. Je souhaite une bien possibilité de parler encore sur coopération Haïti-Roumanie. Tout à fait. Moi, je remercie encore Serginho pour l'invitation que vous avez faite sur l'émission Mise au Point pour être capable de débattre sur coopération entre Roumanie et Haïti, évolution de coopération, ça, qui prend la. Élargir davantage et certainement que nous disposions disponibles pour nous capables d'accompagner Haïti, Roumanie certainement, pour dans tout cadre de coopération que nous avons développé, vu que Roumanie, tout, il s'est candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies et siège non permanent et pour 2020-2021. Bon, dernièrement, dans l'intervention du président républicain, il est clair que je dis que c'est priorité à Haïti, c'est en fonction de eux pour que coopération soit définie, pour que le pays ait une écoute, mais pas eux. Tout à fait, moi, but de cet axe prioritaire que le gouvernement haïtien a discuté avec la communauté internationale là. Moi discuter ça, moi soumettre tout le gouvernement roumain pour nous capables vraiment pencher éducation comme si on a un point. Nous commençons déjà à travailler sur ça, mis à part de l'autre aspect de coopération que moi-même m'a poussé et m'a fait démarche pour Haïti capable de bénéficier de davantage que possible. Oswald Timothée, ma prof, c'est consul honoraire ou manière haïtien. Merci à pile parce que tu es avec nous matin. Merci encore, Serginho. Voilà, Oswald Timothée, c'est premier invité nous pour mise au point. Nous pour qu'on finisse, on va le proposer. Tout de suite après.